RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. Offre exceptionnelle en ce moment. Un véhicule catégorie A à partir de 15 euros par jour. Un véhicule catégorie B à partir de 20 euros par jour. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Info et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Où trouver tous les produits 100% outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Déménager en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Hexagone, actualité. Saguenay Netri, originaire de la Guadeloupe, s'est vu décerner le prix de la meilleure baguette de Paris 2024. Depuis cette remise de récompense, Saguenay voit au quotidien de nouveaux visages dans sa boulangerie située dans le 11e arrondissement et a dû augmenter sa production de baguettes. Autre bonne nouvelle pour l'artisan boulanger, c'est que sa baguette sera sur les tables de l'Élysée pendant un an. Nous avons rencontré Saguenay Netri lors de la cérémonie de remise de prix Place Notre-Dame très récemment. Bonjour, moi c'est Xavier Netri, voilà, l'heureux gagnant de la meilleure baguette de Paris 2024. J'ai commencé la boulangerie, j'avais 13 ans, ça fait maintenant 25 ans que je suis boulanger. Et c'est un métier qui est très compliqué, avec beaucoup de sacrifices. Donc aujourd'hui j'en suis là parce que j'ai persévéré dans ce que je voulais faire et je me suis donné à fond. Donc quand on a envie, on peut faire, c'est vraiment un dicton qui est là, pas pour rien, on va dire ça comme ça. Ce concours, il s'est déroulé d'une manière en fait très simple. On devait faire des baguettes dans notre boulangerie. Il fallait tout simplement respecter certains critères, ouais, dont la taille, le poids et la teneur en sel. Et je pense que ce qui a fait que j'ai gagné, c'est beaucoup de travail. Depuis des années, c'est pas un simple travail d'une semaine ou de deux semaines avant le concours, c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'évolution au niveau de mon travail, de mon métier. Et voilà, je pense qu'il y a ça qui a fait que j'ai gagné, beaucoup de passion et d'amour aussi. Et voilà, beaucoup de témérité, on va dire ça comme ça, de persévérance. Je me répète, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très important à mes yeux. Et voilà, aujourd'hui j'en suis là, j'ai réussi ce que je voulais, c'est une concrétisation totale. Et voilà, tout simplement. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau, j'ai aujourd'hui beaucoup de gens qui sont venus pour moi, pour me féliciter, dont le maire de Capestarbello, qui est juste à mes côtés. Et pour moi, c'est vraiment un honneur d'avoir cette personne à mes côtés. Capestarbello, ça a été une ville très, 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 très importante pour ma mère, surtout parce que c'est elle qui est née là-bas, qui a vécu là-bas. Et moi, j'y suis allé quelques fois, une super belle ville, magnifique. Je vais y retourner pour mon fils, parce que mon fils, il faut qu'il connaisse ses sources, d'où il vient, de quel pays il est issu, et d'où il va tirer sa force, ça va être de là-bas. Donc je vais y retourner bientôt, j'espère pouvoir avoir beaucoup de gens qui, je pense que je vais être très bien accueilli. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, j'ai eu l'honneur de rencontrer le maire de Capestarbello qui est venu pour moi, c'est vraiment honorifique. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, merci.
On peut le trouver au 20 rue Jean-Pierre Timbaud. On peut trouver la plus belle baguette de Paris. 20 rue Jean-Pierre Timbaud à Paris 11e. Donc voilà, si vous voulez venir faire un tour, venir déguster, que ce soit pâtisserie, viennoiserie et pain, allez-y, venez. Et puis même discuter avec moi, je suis toujours ouvert, donc il n'y a vraiment pas de problème. Bah, la ville de Capesterbello est très heureuse d'avoir pu participer à cette cérémonie qui couronne le travail d'un de ses fils. Ce Netri qui ce matin donc, reçoit donc, ce prix pour la meilleure baguette de France, ce qui démontre son travail, son investissement. On connaît cet acharné du travail puisqu'il n'en est pas à sa première décoration. Un moment spécial pour nous, c'est pour ça que j'ai tenu donc, à être à ses côtés, pour pouvoir démontrer cette jeunesse qui travaille, qui réussit, qui performe et surtout qui devient un modèle pour cette jeune génération. Partager ce moment avec sa mère, son épouse, ça démontre aussi que c'est vraiment un travail qui est fait donc, au sein du foyer de la famille et de voir aussi cette belle équipe qui l'accompagne au quotidien. Donc la ville de Capesterbello, reconnaissante, est venue ce matin pour pouvoir saluer un de ses fils. C'est aussi donc, l'occasion de pouvoir mettre en avant donc, un Guadeloupéen qui aura donc, démontré qu'au travers donc, de ce sacrifice, de l'amour de métier qui est exigeant, la boulangerie, puisqu'on parlera de tout, mais on ne cessera jamais de le dire, être un boulanger, c'est le premier à se réveiller, c'est aussi le dernier à nous accompagner dans notre journée. Ce sont des heures de travail et surtout arriver à ce niveau donc, d'excellence, de performance, ça démontre qu'il y a aussi à son niveau un amour de son métier, mais surtout un investissement qu'il n'est pas compté. Et c'est dans ce cadre qu'il est pour nous aussi précieux de pouvoir démontrer cette valeur du travail, cette culture de l'ambition. Et c'est cela, M. Netri, ce matin. Et c'est dans ce cadre-là que c'est la Guadeloupe, en ma qualité de premier vice-président du conseil départemental, mais surtout de maire de la ville de Capesterbello en Guadeloupe, qui fait que je suis présent ce matin. Ça va, très bien. Vous êtes fier de vous? Fier. Je suis très fier de vous. Longtemps qu'il voulait faire cette passion. Non, mais il s'est créé son truc lui-même. Il m'a vendu avec ça ici. Il a fait ce qu'il me faisait. Mais c'est pas pour ça qu'il m'oubliait. Retour, j'étais toujours là pour lui. Comme je dis, je fais n'importe quoi pour lui. Et je suppose que vous êtes la première à déguster son. Non, j'arrive à la maison aussi parfois, mais ici, là, je ne sais pas. Vous entendez. Eh bien, je suis très fière de mon mari. Ça fait très longtemps qu'il essaye d'avoir ce titre, qu'il a eu cette année. C'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices parce qu'on se voit pas beaucoup du coup, mais il est heureux et c'est le principal. Du coup, son fils aussi est très fier. Donc c'est un peu une consécration et au bout de 12 ans de vie commune, ben, c'est bien de le voir heureux comme ça. Et alors, il a déjà fait du pain à la maison, avec son fils en plus. Et il en ramène surtout et je les mange entièrement. Et voilà, c'est bien pour mon régime. Merci. Nous trient tôt le matin, qui viennent souvent de banlieue et qui mettent à l'honneur la France et Paris. Et pour moi, c'est quelque chose de très important parce que ça permet de donner de l'espoir à beaucoup de jeunes dans notre pays. Je suis ravi pour Xavier. Voilà, la Capesterbello, qui est une très jolie petite commune de la Guadeloupe. Madame la maire. Monsieur l'adjoint à la mairie de Paris en charge du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et des métiers d'art et d'amour. Monsieur le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, l'île de France. Cher François. Monsieur le président de la Confédération nationale, mais je ne veux pas tarder, je vais pas aller voir, mais deux minutes. Mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les maires et maires adjoints, je vous remercie sincèrement d'être présent aujourd'hui avec nous pour inaugurer cette grande manifestation. Comme chaque année, la fête du pain permet de valoriser et de mettre en lumière le travail des artisans boulangers pâtissiers ainsi que le savoir-faire unique. Chaque jour, cette immense boulangerie sera animée par une centaine de professionnels, épaulés par des jeunes actuellement en formation. Et nos objectifs lors de cet événement restent inchangés. La fête du pain nous permet de rendre hommage à l'artisanat, au savoir-faire, à la française et à nos produits d'exception enviés par le monde entier. Comme chaque année, le programme est dense. Il y aura des concours, remises de prix,
comme tout à l'heure, a remis le prix de la baguette de Paris. Démonstration, des dégustations. Vous retrouverez chaque jour notre programme défilé sur les écrans. Pour vous citer quelques temps forts de cette fête du pain, rendez-vous dans quelques minutes pour savoir qui sera sacré vainqueur de la meilleure baguette de Paris. Rendez-vous également le dimanche 12 mai à 17h pour découvrir la meilleure baguette du Grand Paris. Bien réussi. Aujourd'hui, Paris, cette équipe de Paris, et merci pour cette médaille d'or, c'est notre médaille collective. Cette équipe de Paris, elle a le pays tout entier derrière elle. C'est rare quand même que Paris ait la France entière derrière elle. Donc je goûte mon bonheur et mon plaisir, et nous le goûtons tous, comme on goûte au bon pain. Pourquoi on a toute la France derrière nous? Parce que grâce à Paris, on va pouvoir accueillir le monde. Et avec beaucoup de fierté, mais avec beaucoup de modestie aussi, montrer nos savoir-faire, notre façon de vivre. Paris, c'est cette ville capitale que tout le monde aime. Et c'est aussi cette ville du quart d'heure dans laquelle on vit. Et parfois, il y a des gens qui parlent de Paris, parfois négativement. Je me dis souvent, ceux qui parlent négativement de Paris, c'est des gens qui considèrent que Paris est juste un endroit pour faire leur carrière, avoir du pouvoir, gagner beaucoup d'argent. Le premier grand prix de la baguette de tradition française de la ville de Paris est attribué à Xavier Maitry pour la baguette. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube. Les associations ultramarines, mais également les élus, s'inquiètent aujourd'hui des prix élevés des billets d'avion à destination des régions d'outre-mer. À quelques jours des grands départs, nous avons voulu connaître comment Guadeloupéens et Martiniquais vivaient cette situation. Pour mieux cerner ces difficultés, Outre-mer News s'est rendu dans l'une des plus grandes agences de voyage spécialisées vers cette destination, Voyages Antillais, située à Paris et à Saint-Denis. Et la première question posée à Cédric Delaprade, c'est le pourquoi de ces tarifs si élevés. Bonjour à tous. Pourquoi ces billets sont si élevés? C'est une très bonne question. Alors les billets aujourd'hui ont subi, les billets d'avion vers les Antilles ont subi une hausse assez importante il y a maintenant un an et demi. Tout simplement parce qu'il a fallu rééquilibrer la période Covid, où les billets d'avion étaient très très bas. Lié au Covid. Pour faire repartir la machine, ouais. il n'y avait plus de passagers. Il n'y a plus de passagers dans les avions. Donc pour faire repartir la machine et re-remplir les avions, il a fallu attirer les passagers. Donc les prix des billets d'avion étaient très 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 bas. Mais malheureusement, des prix de billets d'avion bas ne suffisent pas pour une compagnie aérienne pour pouvoir vivre et survivre. Et donc il y a eu un rattrapage qui a été fait malheureusement. En plus de cela, il y a eu également le coût du carburant qui a sensiblement augmenté. Le prix de l'énergie a énormément augmenté, donc tout ça combiné a généré une hausse de tarifs il y a un an et demi assez significative sur l'ensemble des destinations et surtout sur les Antilles. Alors vous qui côtoyez tant d'ultramarins au niveau de ces deux agences, comment vous les voyez? Quel est le moral de ces ultramarins quand ils portent de ces billets très chers aujourd'hui? Ah, le moral il n'est pas au beau fixe, clairement, hein, lorsque l'on souhaite se rendre en Guadeloupe et en Martinique et que on se voit contraint de leur communiquer des tarifs si élevés, malheureusement on voit bien la réaction de nos clients, hein, c'est souvent la même. Pourquoi est-ce que c'est si cher? Malheureusement dans certains cas, il y a beaucoup de clients qui nous disent cette année je ne pourrai pas assumer financièrement l'achat de billets d'avion pour toute la famille. Donc c'est soit ils remettent à l'année d'après le projet de se rendre aux Antilles, donc ce qui est très très triste, hein, malheureusement, ou soit c'est pas toute la famille qui part, c'est une partie de la famille qui part pour pouvoir se rendre aux Antilles parce que financièrement
c'est pas possible d'assumer l'achat de tous ces billets. Donc voilà, mais heureusement, Voyage Antilles a mis en place des choses hein, pour les aider, mais voilà. Alors, sur vos radars, vous avez vu disparaître quelques clients, je suppose que vous avez un fichier, non ? Il y a des clients que vous ne voyez plus, peut-être liés à ces prix qui sont très chers ? Alors, c'est pas qu'on les voit plus, ils nous sollicitent toujours, mais faute de moyens financiers, ils ne peuvent pas, tout simplement. Hein. Il y a un moment donné où, quand le plafond il est atteint. Donc voilà, non, on les voit, ils nous appellent, ils viennent nous voir, ils nous demandent, voilà, est-ce que vous avez des billets d'avion pour partir cet été? Donc en fonction des dates, bien évidemment, les prix sont pas forcément les mêmes, il y a des périodes où les prix sont très très chers, et si ces personnes souhaitent partir impérativement sur ces périodes-là, et ben des fois ça coince, et donc elles remettent à plus tard leur projet de vacances, soit en dehors des vacances scolaires, où là c'est plus facile, ou soit carrément sur l'année d'après. Donc c'est pas des clients qu'on ne reverra plus, c'est juste voilà que pour cette année ça a été plus compliqué. Alors face justement à ces tarifs élevés, il a fallu trouver des stratégies. C'est ce que vous avez fait au niveau de l'agence Voyage Antillais. Alors face à ces tarifs élevés, Voyage Antillais a toujours essayé de proposer le plus large choix de facilité de paiement. Parce qu'on sait bien hein, que voilà, ça va c'est très large. C'est très large. On a vraiment tout un panel de facilités de paiement qui peut permettre, malgré les prix élevés, de pouvoir malgré tout acheter des billets d'avion, même sur les périodes les plus chères. Donc ça, c'est la première chose. Donc on continue vraiment à essayer d'être très innovateur là-dessus, à se concentrer vraiment sur le besoin du client sur ce sujet-là, proprement parlé. Le paiement, parce que bien évidemment sans paiement il n'y a pas de billet d'avion malheureusement, donc c'est un sujet vraiment très très important. Et le deuxième sujet, c'est tout simplement notre conseil qu'on apporte aux clients, parce qu'il peut y avoir des variations de prix très très importantes à quelques jours d'intervalle, et ça le client le sait pas forcément, et lorsque on part au mois d'août, les prix des billets d'avion sont très chers. Il suffit de décaler de 3, 4, 5 jours et là, on peut avoir vraiment des écarts de prix très importants. Et ça, c'est notre rôle à Voyage Antillais d'orienter le client. Alors, soyons concrets. Juillet, août, alors, qu'est-ce que vous avez à proposer aux clients qui veulent partir vers les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique? Alors, en juillet, août, on a de très belles offres, notamment sur le mois de juillet. On a de très belles baisses de prix depuis une petite semaine à peu près sur le mois de juillet. On a des tarifs à partir de 516 €, ce qui est vraiment très très bas. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu des tarifs sur les Antilles. Toute la période du mois de juillet. Alors c'est, ça va pas sur l'ensemble de la période, c'est sur des départs fin juin, des retours fin juillet. Là, vous pouvez trouver des tarifs à 516 € ou un petit peu plus, mais ça reste en dessous de 600 €. Ce tarif, je précise, est avec deux valises de 23 kilos, donc c'est vraiment exceptionnel. Après, sur le mois d'août, c'est un peu plus compliqué. Avant d'arriver au mois d'août, les téléspectateurs pourraient se poser la question, comment se fait-il que vous arrivez à faire ces tarifs à un moment donné, sans dévoiler tous les secrets? Alors, ces tarifs-là, il faut bien comprendre que les tarifs sont fixés par les compagnies aériennes. Voilà. C'est pas Voyage Antillais qui décide des tarifs. Si nous, on avait le pouvoir de décider des tarifs, vous imaginez bien que les tarifs seraient pas aussi élevés. Forcément. On mettrait les tarifs bien plus bas pour permettre au plus grand nombre de pouvoir partir. Donc c'est les compagnies aériennes qui décident des tarifs. Nous, on est là pour appuyer, on est là pour les sensibiliser et leur faire comprendre lorsque les tarifs sont trop élevés que là, ça va pas être bon. Ils arriveront pas à vendre leur billet d'avion convenablement. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé cette année. On a eu en début de réservation, c'est-à-dire en septembre, octobre, novembre, des tarifs très élevés pour l'été. Donc on a eu beaucoup de clients qui nous ont dit « Désolé, mais on met en stand-by, c'est trop cher ». Et là, on arrive au mois de juin et on se rend compte que finalement, les avions sont pas si remplis que ça, ou pas assez, ou pas suffisamment. Et donc fatalement, pour les remplir, il faut baisser les prix. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Et donc ça fait le bonheur de certains clients qui aujourd'hui sont dans nos agences. 516 € exactement sur le mois de juillet. Et donc ça fait le bonheur de certains clients qui peuvent bénéficier de ces très belles offres et partir aux Antilles à des tarifs extrêmement intéressants. Alors évidemment, pour ceux qui veulent partir au mois d'août. Le mois d'août, on y vient. Le mois d'août, c'est le mois très compliqué sur la période estivale. Là-dessus, malheureusement, alors il y a un petit peu de baisse de prix,
mais c'est pas des baisses de prix significatives comme sur le mois de juillet. Là, les billets d'avion, malheureusement, restent très élevés. On reste au-dessus de 1 000 euros hein, pour partir au mois d'août. Si on veut faire un début août, fin août, on reste au-dessus de 1 000 euros. Ça reste un mois compliqué. Ça restera de toute façon un mois compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui souhaite partir au mois d'août. Il faut bien comprendre que les places sont limitées. Hein. Les avions, au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Donc, dès que les avions commencent à se remplir, il faut savoir que les places qui restent à vendre sont de plus en plus élevées. Donc, c'est le principe. Donc, le mois d'août est compliqué. Il reste encore de bonnes affaires si vous pouvez faire soit le départ, soit le retour en dehors du mois d'août. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous faites un départ fin juillet ou un retour début septembre. Donc, vous faites vos vacances sur le mois d'août, malgré tout. Souvent, les clients ne comprennent pas ce petit décalage à deux jours près. C'est notre rôle. C'est vraiment de les orienter sur ces dates où on peut vraiment avoir des écarts de prix de 200 à 300 euros à 3-4 jours près par personne. Donc, vous imaginez une famille de 3-4 personnes, 300 euros par billet, ça fait une note finale bien diminuée. Donc, ça, c'est notre rôle de les orienter. Mais voilà, sur le mois d'août, ça reste plus élevé, mais il y a encore des possibilités si on accepte de décaler soit le départ, soit le retour, soit sur juillet, soit sur septembre. Et grâce à cette stratégie, vous arrivez à tenir le bout, comme on dit. Nous, on arrive, comme vous dites, à tenir le bout. Nos clients continuent à nous faire confiance et on en est très heureux. Alors, c'est sûr que plus les billets sont élevés, plus c'est compliqué pour nos clients. Donc, fatalement, plus c'est compliqué pour nous, évidemment. Donc, nous, on espère que les prix vont aller un petit peu à la baisse. On le voit là sur le mois de juillet. Hein, c'est typiquement ce qui s'est passé. Et on voit bien que dès que les billets commencent à baisser, et ben là, subitement, ça donne un petit peu un peu de souffle au portefeuille de nos clients. Et on les voit tout de suite intéressés pour éventuellement partir en dernière minute, parce qu'on est déjà le mois de juin. Et sur les autres mois, quel est le tarif moyen pour se rendre aux Antilles? Alors, en dehors des vacances scolaires, ce qu'il faut bien noter, les vacances scolaires et les périodes hors vacances scolaires, en dehors des vacances scolaires, les tarifs tournent aux alentours de 600-650 euros. C'est à peu près ça. D'accord. Je vous pose la question parce que c'est important aussi que oui. Est-ce qu'il ne faudra pas penser à un moment donné que chacun puisse décaler les séjours aux Antilles, celui qui est à la retraite, s'il n'a pas. Alors, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est clairement déjà le cas. On a beaucoup de clients qui ne partent plus sur la période estivale. Une famille qui n'a pas d'enfants. Tout simplement, ils ne partent plus sur la période estivale parce que la période estivale, c'est plus élevé. Par contre, dès qu'on a des enfants scolarisés, malheureusement, on est contraint par la rentrée scolaire. Et malheureusement, c'est souvent sur ces périodes-là où les compagnies aériennes font grimper les prix. Donc oui, en fonction des contraintes de chacun, on essaye un petit peu d'orienter nos clients. Mais en dehors des périodes de vacances scolaires, on est aux alentours de 600 euros. Et dès qu'il y a des périodes de vacances scolaires, malheureusement, il y a un différentiel de 200 à 300 euros de plus dès qu'il y a les vacances scolaires. Voilà, alors on va revenir un petit peu au niveau de l'agence. Je le disais, l'agence Voyage-Antillette sont deux agences, rue du 4 septembre à Paris et puis ici à Saint-Denis. Pourquoi vous avez voulu cette décentralisation? Alors historiquement c'est l'agence du 4 septembre qui est à l'origine de toute cette aventure. Donc c'est l'agence de 4 septembre qui a démarré il y a maintenant 40 ans, ça fait un petit moment. Et puis, il y a une quinzaine d'années, on a bien senti que l'agence de 4 septembre ne suffisait pas. Que nos clients avaient vraiment ce besoin de conseils, ce besoin d'avoir une agence de proximité pour pouvoir se rendre, poser des questions, avoir tous les renseignements possibles. Et on n'avait malheureusement pas suffisamment de place pour pouvoir accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Donc on a fait le choix. Est-ce que vous avez suffisamment de place? Je crois que je suis venu une fois, il y avait quand même du monde même sur le trottoir. Là. Alors ça, c'était juste après le Covid, où c'était une période un petit peu particulière, où effectivement on a eu beaucoup de monde dans les deux agences avec beaucoup de queues sur le trottoir. Là maintenant, on a réussi à bien maîtriser tout ce flux. Donc, il y a 15 ans, on a pris la décision d'ouvrir un second point de vente à Saint-Denis pour également se rapprocher de la localité de certains de nos clients qui habitent souvent dans le nord de Paris pour leur permettre d'avoir un accès plus facile à leur agence de voyage. Et donc, on a réussi ce pari. Et on a maintenant notre troisième point de vente qui est le site internet. Ah oui, bien sûr. Le site internet qui permet
d'avoir encore un service supplémentaire à fournir à nos clients. Et, réserver en ligne. Exactement, réserver et acheter en ligne. Cela dit, est-ce que les ultramarins ne restent pas encore sur ces contacts humains? Je viens de me rendre compte au sein de l'agence, ils communiquent avec les employés, ils posent des questions. Il y a les deux, il y a clairement les deux. Voilà, il en faut vraiment pour tout le monde. On a encore beaucoup de clients qui ont besoin du contact physique, d'avoir vraiment le relationnel avec avec nos conseillers. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels le site internet leur suffisent. Ils ont toutes les informations. Il est relativement bien fait, hein, notre site internet. Donc, toutes les informations sont dessus. Donc, de plus en plus de nos clients vont sur notre site internet. Après, la grande majorité de nos clients continuent bien évidemment à passer en agence. Une précision sur ces valises 23 kilos, ça, c'est une négociation Air Caraïbes. C'est une négociation avec les compagnies aériennes que l'on a depuis très longtemps. Maintenant, on était les premiers à avoir négocié ce type d'accord. D'autres ont suivi derrière, mais on a vraiment été les premiers précurseurs là-dessus. Et donc, aujourd'hui, on bénéficie de tarifs très avantageux qui inclut deux valises en soute à la fois sur Air Caraïbes, sur Corsair et sur Air France, donc sur les trois compagnies aériennes, ce qui est vraiment exceptionnel sur les Antilles. Alors, une toute dernière question sur le mois de juillet, parce que je suppose que ça va intéresser beaucoup de monde. Oui. Il y a encore des billets, il faudra faire très très vite pour ces billets de 516 euros. C'est ça, à partir de 516 euros. Alors justement, oui, ces tarifs-là ne sont pas disponibles sur un laps de temps très très long. Donc il va falloir, pour ceux qui sont intéressés, aller relativement vite. Le nombre de places est limité, encore une fois. Donc là, il y a encore de la disponibilité. Mais toutes les heures qui passent, il y a des réservations qui se font. Et au fur et à mesure que ces réservations se font, le prix grimpe. Donc voilà, donc c'est premier arrivé, premier servi. Comme je dis, lorsqu'il y a des bonnes affaires, c'est premier arrivé, premier servi. Merci à vous, Cédric Delapointe. Merci. Nous avons parlé de ces billets chers et des stratégies qui sont mises en place au sein de votre agence afin de faciliter le déplacement vers les Antilles de nos ultramarins, de nos compatriotes. Merci à vous. Merci. O News Radio sur outremernews.fr. Carou Caraland présente Carou Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game ou Escape Game. Réalité virtuelle et Maison de la Peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Carou Coco Recept dans nos espaces privés Lounge. Séjournez chez Carou Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Carou Caraland, le cœur de tous vos loisirs. Déménager en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-tom, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. Offre exceptionnelle en ce moment. Un véhicule catégorie A à partir de 15 euros par jour. Un véhicule catégorie B à partir de 20 euros par jour. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.